Excès de chlore, voici le résultat. Bonjour, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, je suis venu en dépannage chez un client pour changer son filtre à sable, car son filtre à sable présentait une fuite. La fuite de son filtre à sable était ici, au niveau du jouet qu'il y a ici. La problématique, c'est qu'on a ici, en fait, une traversée de paroi. Cette traversée de paroi-là est serrée sur l'intérieur ici. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un excès de chlore, le chlore va vous manger petit à petit, va grignoter et affaiblir tous les plastiques. Là où il y a des serrages, si les serrages sont en excès ou pas, ce qui se passe, c'est que si on a une surpression liée à un mauvais lavage, rinçage de filtre, une surpression inhabituelle, ce qui se passe, eh bien, c'est que le collecteur ici, pouf, il craque. Et s'il craque le collecteur, vous avez une fuite à ce niveau, et la seule solution, c'est soit de changer le filtre, soit de remplacer uniquement cette pièce avec la traversée de paroi. La problématique, c'est que si on remplace uniquement cette pièce, ça veut dire que toutes les autres pièces là qui ont été aussi mangées par le chlore vont être défectueuses à un moment donné. Donc là, ce qu'il faut, c'est remplacer le filtre à sable, ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, c'est un des problèmes liés à un excès de chlore dans la piscine. Pour éviter ces excès de chlore là, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle « Comment gérer la chimie de ma piscine ». Vous y retrouverez toutes les infos nécessaires. Pour enfin en finir avec les excès de problèmes chimiques. La chimie, en effet, est un gros souci sur la piscine. La plupart des gens qui ne la gèrent pas, qui ne contrôlent pas leur taux avec des bandelettes, ont des soucis au bout de quelques années, et c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas été correctement formés. Actuellement, je vous ai mis une vidéo qui s'appelle « Comment gérer la chimie de votre piscine » sur cette chaîne YouTube. Elle fait 26 minutes. Regardez-la, vous en apprendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre piscine. C'est expliqué avec des moyens très, très simples. Vous verrez, vous allez adorer. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, partagez cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage. À très bientôt.